Yo. Yo. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue dans Biomutant. Bienvenue dans Biomutant. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial, enfin je crois. On va pas tout de suite affronter le. Je crois, hein, je suis pas sûr, je verrai bien. Mais je vais pas affronter, je crois que je vais pas affronter tout de suite le mange-monde. Je crois que je dois unifier les tribus avant. Et là, il y a un mec qu'on doit aller doit unifier. Et puis je crois que j'ai encore un camp à unifier. Je suis pas sûr. De toute façon, on va le découvrir. Pardon. Va faire ça. Vous entendez du bruit? J'ai pris une petite bouteille. Alors. Oula, qu'est-ce Ici, qu'il fait? tout est dénué de vie. Alors, vous voyez, je dois unifier lui. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, j'ai envie de vous dire. Pardon, hein, excusez-moi. Faites attention. Faites vraiment attention à vos montures. Mais non, c'est pas là. Ah non, c'est par là-bas. Donc faites attention à vos montures. Parce que si vous regardez. Voilà, c'est là. Vous voyez qu'on a le robot, on a le truc des os, machin. Et j'avais débloqué la nouvelle monture. Ouais, on va aller. Eh ben. Eh bien, malheureusement, je l'ai plus. Et je sais ce que vous allez vous. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire. Comment ça se fait que tu l'as plus? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement, avec un peu de suspense. Tout simplement. Elle est morte. Vous allez me dire. Et comment elle est morte? À s'en faire exprès, je l'ai noyée. Regardez là-haut, un guettoir. Très utile pour observer le monde et voir si le monde vous observe. Coucou. Personne ne peut résister à un coup comme ça. Intelligent tournerait gentiment les talons. Ah ah.
Combat rapproché. Vous avez pris cher. Ah. Donc oui. Il est mort. Et moi je croyais que quand il mourait, bon bah voilà, il s'était noyé, c'était une cure quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est comme ça que l'autre bouquetin, il est mort. Celui avec des cornes rouges que j'avais juste avant. Je crois qu'il s'est noyé. Ah! Je fais des bêtises. Non mais c'est pas possible. Déjà 6 pieds sous terre. Et voilà. Hier je joue un peu, je m'entraîne et tout. J'arrive à bien faire les parades, machin, je m'entraîne aux parades. Bah là j'arrive là, j'ai rien fait. Je suis pris tous les coups qu'ils m'ont proposé. En même temps, il y avait le gros. J'aime pas quand il y a un gros dans l'équipe. Les ennemis que j'affronte. Mais bon. Ouais, donc je lui disais, bah voilà, oui, j'ai perdu ma monture. Malheureusement. J'ai voulu passer un cours d'eau. Pas assez d'énergie, elle a commencé à se noyer, j'ai sauté de la monture, je suis arrivé sur la terre ferme et elle était complètement... Si seulement on pouvait sauter aussi loin que porte la vue. Elle était complètement morte. Et je le savais pas ça. Ah, du récup en bois. C'est toujours une joie d'en trouver. Regardez là-haut, un guettoir. Très utile pour observer le monde et voir si le monde vous observe. Ça doit piquer un peu. Ah, il m'a touché. Joli. C'est bon, il est mort. Allez. On se fait des petits. Ah, il se remit.
Ah! Et voilà. Flingué. Pas disparu. La grande histoire n'est qu'une succession de petites histoires. Ça alors, un drink-drink d'époque. On dirait qu'il faut actionner les touches dans le bon ordre pour faire fonctionner le drink-drink. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Drink-drink. La technologie d'hier est encore là aujourd'hui, même si son message est dépassé. Donc il me reste lui, du début. Le premier que j'ai récupéré. Et donc j'ai calculé que si je le... Ah, s'il meurt... Donnez une tape amicale à votre monture et choisissez votre cap. S'il meurt, faut que je retrouve une autre bête. Ah, je sais, il faut tourner à gauche. Regardez vite. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Un coup dévastateur. Pour un camion, il n'y a rien. Trésor à saisir. Lame. Lui, il n'y a pas de coffre. Et lui, il y a quoi dans son coffre? Cadeau. Allez. Allez, on y go. On va affronter le chef de... Le chef du clan, en fait. Le clan des... Je sais pas...
Télé. Non. Télé. Télé Netra. C'est l'heure de la promenade. Le récup en plastique de ce genre peut toujours servir. Pénétra. Regarde. Fermé déjà là. Il vous attendait. S'emparer de ce fort garantira la paix entre les tribus. D'après le rapport des éclaireurs, vous pourriez mener une opération qui vous serait bien utile avant de pénétrer dans le fort. L'idée, c'est de vous balancer par-dessus le mur avec un trébuchoir. Mais d'abord, il veut que vous mettiez un casque. Sécurité avant tout. Vous n'avez qu'à chercher un peu. Ça ne doit pas être bien difficile. Et c'est taille unique, de toute façon. Ah, oh, abruti de naissance. J'allais faire une grosse connerie. Voyons voir. Voilà. Mais j'y étais tout à l'heure. Vous avez déjà de la chance qu'il y ait une corde. Qu'importe l'altitude d'une montagne, le ciel sera toujours plus haut. Bien, mais j'ai où le point pour se téléporter? J'ai bien fait d'y aller. J'ai fait de faire ça. Laisserait traîner du caoutchouc comme ça. Tout ça pour récupérer du caoutchouc, il y en a deux. Vous avez morflé. Je me casse. Pas besoin de les tuer de toute façon. Moi je voulais juste le caoutchouc. Le jour n'en a plus pour longtemps. Galette, non.
Il est temps de libérer la tribu rivale. Limitez les dégâts en vous frayant un chemin vers leur Sifu. Explique que c'est bien beau de vous arranger pour que l'assaut du fort rival aille dans votre sens, mais qu'il faut prendre en compte les dommages collatéraux. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit. Des gens pas très respectueux. Regardent des films très fous. Les mecs qui me tirent dessus, c'est eux. Le soleil est bien loin. C'est comme ça qu'on allume un feu. La sèche-herbe semble pouvoir prendre feu facilement. Une étincelle suffit pour démarrer un feu. Il brûle plus vivement que la lumière. Allez. Ils me saoulent avec leur mousse qui fait tout bien. Ah. Voilà. À sa crame. Le futur est entre vos mains, alors prenez-en soin.
Vous allez me dire. Pas besoin en fait, tu peux le faire après. J'ai envie de vous répondre. Pas faux. Allez. Un bélier semble parfaitement adapté pour passer la porte. Salut à tous ceux qui arrivent. Je me disais merde. Parie qu'il suffit de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Ça va cogner. La tribune Etra accorde de la valeur à la liberté et s'évertue à la protéger. Elle souhaite que chaque tribu garde son indépendance et pense que les unifier est le seul moyen de survivre. C'était ce qu'il espérait. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? Autant ne pas se battre pour des queues de cerises. Quoi? Espérer pour la guerre. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? J'ai même pas quoi mettre. D'accord. On ne peut pas se battre pour les queues de cerises, j'ai pas compris. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? Il pense qu'être sympathique ne suffit pas quand on ne fait que se battre. Il refuse de vous soutenir. Il ne se fera pas charmer aussi facilement. Vous allez devoir vous battre. Bon, bah tant pis. Hop, et 2-1. Acier bien aiguisé. Une cible de moi. Et 2-2. Je vais jouer à ça, moi j'ai un flingue. Un GD. Dans le vif. Allez, balai.
Ah, il est relou avec son grappin. Vous êtes encore en vie. C'est bon, on l'a eu. Le Sifu rival est vaincu. À vous de décider de l'avenir de sa tribu. Vous êtes libre de choisir, mais ce choix aura des conséquences. Il vous laissera décider du sort du Sifu rival, mais vous suggère de faire preuve de clémence. Faites le bien, et la vie vous le rendra. Pense que c'est une bonne décision que d'offrir son soutien à autrui lorsqu'il est dans le besoin. De plus, vous forgez votre propre destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne revient jamais en arrière. Épaule contre épaule, ils feront face, jusqu'à ce que l'ordre et la stabilité soient réinstaurés. Il a entendu dire que les autres tribus ont compris que personne ne gagnera cette guerre. L'antagonisme est futile. Elles pensent toutes trois que votre tribu est devenue assez puissante pour les unifier. Manifestement, vos efforts ont payé. Une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Les tribus sont lasses de la guerre et se rappelleront à qui elles doivent la paix, que vous la déclariez maintenant ou plus tard. Donc, voulez-vous arrêter la guerre maintenant ou poursuivre la croisade? Accepter la capitulation des tribus restantes, participer plus de leur conquête, continuer à prendre part au lieu. Ils partagent votre avis. Mieux vaut conserver vos forces pour quelque chose d'important. J'ai cru que le jeu avait crashé. Ah voilà, ils se sont tous... ils sont tous rendus. Voilà. Ah, j'allais pas continuer. Moi je continue pas la guerre. Je dois encore en plus affronter les mange-monde, je sais pas trop quoi là, donc. Maintenant, je vais monter une école de Shaolin. Mais non! Pourquoi j'aurais peur? C'est eux qui se sont rendus. Ils ont dit, bon, nous, on a de se battre, hein, ça sert à rien. Ouah, j'ai eu le médaillon! C'est quoi, mais je l'ai eu. Eh ouais. Là, je suis le roi. C'est la chaîne à crochet des Netra. Les sommets des montagnes sont plus proches du soleil, non? Ah bah je vais retourner voir le fossile. Ah, attendez, j'ai un petit truc à faire. C'est bon. Il y avait des robots. Alors. Ah.
arrivé dans ma Batcave. Ouais, j'ai eu un gros hameçon, un gros truc, mais je. Le fossile affirme que la guerre aura des conséquences, mais qu'il faut d'abord parer au plus pressé. Le dernier mange-monde est resté avec l'arbre pendant que vous vous focalisiez sur l'effort de guerre. Il s'est dit qu'avec votre vision illuminée et votre ki de lumière, vous préféreriez affronter les mange-mondes avant de mettre un terme à la guerre tribale. Quoi qu'il en soit, le fossile est heureux que la guerre tribale soit terminée. Le fossile reconnaît que ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais vous savez déjà ce qui vous attend au bout du chemin. Et ce sera rude. Personne d'autre que vous n'est en mesure d'affronter le dernier mange-monde. Le futur des tribus dépend de quelqu'un qui possède une vision illuminée. La survie du monde est dans la balance. Seul le temps nous dira ce que l'avenir nous réserve et si les survivants accéderont à une paix durable. Le fossile dit que la rumeur de vos actes se répand, que les tribus n'ont pas encore perdu espoir. Il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, mais hélas, il a reçu un message urgent de son ami Wiz qui vit au nord-ouest. Il n'est pas certain de vos intentions, mais espère que vous aiderez Wiz. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Wiz et de lui fournir ce dont il a besoin. Ça se présente mal. Le fossile a eu la bonne intuition. Autour du Tortipouf. Le Tortipouf. On va affronter le dernier mangement. Le fossile dit que Wiz s'inquiète depuis que le mange-monde du Nord-Ouest a redoublé d'activité. Il explique que Wiz travaille sur un vaisseau sous-salin qui permettrait d'atteindre le mange-monde, mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer. Ah non, pas encore, je pense. Le fossile vous suggère de partir vers le nord-ouest au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour aider. Il serait heureux de rendre service. Espère vous revoir bientôt. Donc, d'après ce qu'il nous dit... Attends, non, là, il n'y a pas de branche. Par là. Donc, ce serait le dernier... Il y a des grandes chances qu'on soit sur le dernier monde. Donc, c'est... On va peut-être faire la fin du jeu aujourd'hui. On va bien voir. Est-ce que ça me ferait plaisir? Ouais, j'ai envie. Ouais. Le jeu est bien. J'aime beaucoup. Je sais pas. J'aurais pu. C'était pas trop ce que j'ai aimé, mais le jeu reste très très. Je suis content de l'avoir fait. Ouh, pardon. Alors, attention à votre équilibre. J'avais fait ça. Ah, je sais. Non, je crois qu'il faut des pèlerins. Faut voir ce coup des pèlerins avant. Bref.
Ah là, il peut. Eh ouais, j'ai réussi à unifier les tribus. Et dernier mot. Vous êtes toujours sur votre monture, j'imagine que c'est plutôt bon signe. Cette demeure antique est plutôt bien conservée. Je ne pensais pas revoir une Spling Spoing du temps d'antan. C'est un appareil qui fait vibrationner des notitudes. Je me demande si elle marche encore. Vous devez ajuster les tensionneurs placés sur la tête pour mettre en accord le sonorisme de la Spling Spoing. Ça sonne en plâtre, Maestro Mediator. On a découvert du caoutchouc là-bas. Allez, on est parti à l'avant. Tegada, tegada, tegada. Vous avez trouvé Cache-Taupe, un trou creusé dans le mur il y a bien longtemps par la tribu Pichu. Cette monture aurait bien besoin d'un absorbeur de tape-fesses. Monture et voilà. En même temps, la première. Ah oui, donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, là, j'ai cette monture là parce que bah, vous saviez, j'avais eu une monture la dernière fois et. C'était avec les autres là. Et ben. Regardez-moi ce récup en plastique qui attend juste que quelqu'un l'utilise. J'ai une mauvaise nouvelle, elle est morte. Je l'ai fait mourir sans faire exprès. Elle est tombée dans l'eau, j'ai j'ai été dans l'eau. Je voulais qu'elle. En fait de l'autre côté de la rive et puis j'ai pas eu assez d'énergie pour qu'elle nage et puis elle est morte, j'ai sauté du tête, elle s'est noyée. Moi je croyais qu'elle allait revenir et en fait ah non, donc je me demandais il était où ma biquette avec ses cornes rouges là. Je me suis rendu compte que
Ah, que c'est comme ça que tu vas perdre, La en fait. centrale salino-motrice. N'oubliez pas de rendre visite à Wiz tant que vous y êtes. Ah oui, c'est ici, c'est pour ça que Voyons je suis là. voir. Et là, oui. Hey, Wiz! Wiz! Il y a des trucs Le qui monde, regardent. pour ouvrir toujours plus de mines, Toxanol a déforesté en masse, ce qui a amplifié le réchauffement planétaire, comme il n'y avait plus assez d'arbres pour absorber le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre. Ce bouleversement climatique irréversible a également contribué à l'évolution et à la modification de notre code génétique. Ah! Aïe, j'en profite, hein, je fouille un peu avant. Avant d'aller voir Wiz. Et c'est d'eau? Regardez les messages sur ce panneau. On dirait bien que personne n'y prêtait vraiment attention. Whis devait être quelque part par ici, sûrement à s'occuper de ses goupeaux. Une centrale salino-motrice était l'un des moyens les plus propres de faire de l'énergie. Enfin, jusqu'à ce que la saline se transgloue et bouche tout. Plus la saline est devenue épaisse à cause du glou, plus la machinerie s'est engorgée. Et elle a fini par cesser de fonctionner, comme la plupart des choses des temps passés. Il y a forcément d'autres traces par ici. Peut-être vers le rivage? Wow! Il y a beaucoup. Rien n'est plus important que cette histoire. Ok, je suis obligé d'aller le voir. Ah bah non, là, enfin une caisse. Là, ça tape tout seul. Non, ça. Oh. Je vais me noyader. Le Wuz n'est pas une langue évidente, mais je crois qu'il est heureux de voir un visage amical. Ça ne court pas les rues ces temps-ci. Dit que c'est bon de vous revoir et qu'il s'appelle Wiz. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il vous laissait piloter son octopode il y a longtemps. Wiz se souvient que vous étiez toujours de bonne humeur quand vous étiez jeune et se réjouit que vous n'ayez pas perdu cette flamme malgré le poids des années. Enfin, Wiz comprend que tout ça commence à dater et que plus on remonte loin, plus les souvenirs sont flous. Mais il ajoute qu'il est bon d'avoir des amis avec qui sonder ces profondeurs. Ils ont toujours été là pour vous depuis votre enfance. Mais en partant, vous avez choisi de vous éloigner de tous ceux qui vous aimaient. Whis dit que notre inconscient garde des souvenirs enfouis, jusqu'à ce que nous soyons prêts à les affronter à nouveau. Il sait que vous êtes de retour pour faire face à Lupa Lupin. Et cette confrontation est aussi inéluctable que les vents et marées. Non mais Lupin, je l'ai fini.
Je suis mort depuis longtemps. Il n'aurait pas été surpris que la mort de votre famille vous plonge à jamais dans les abysses, mais reconnaît que vous avez toujours été capable de remonter telle une bulle à la surface, quelle que soit l'adversité. Bon âme. Cependant, il sait que la direction dans laquelle vous guident les vagues du passé n'est pas une fatalité. Vous pouvez toujours changer de cap. Il pense que vous avez mérité de vous venger, vu ce que vous avez vécu. Vous avez assez souffert pour lui faire payer. Oui, plonge le monde dans les ténèbres. Oui, oui, viens dans la lumière. Quoi? Mais la lumière, ça brûle, alors que les ténèbres, pas du tout. Et v'là, casser les ténèbres. Aïe! Arrête ça. Ah, la technique de Sioux... Vous demande si vous songez parfois à la liberté. Quelqu'un en jouit-il réellement entièrement? Avez-vous pris les décisions qui vous mènent ici, ou n'êtes-vous qu'un jouet entre les mains du destin? On peut... Destin? Je fais mes propres choix. Peut-être que cela s'applique pour vous, mais il n'en est pas certain en ce qui concerne son propre destin. S'étonne de voir que le monde tient debout, mais se réjouit de l'apprendre. Il reste encore tant à inventer. Est impressionné de voir tous les efforts que vous avez déployés pour que le monde continue de tourner. On pense que vous avez bien fait de rejoindre les Myriades. Ils disposent de tant d'approches pour traiter les problèmes. Mikaku dit que leur unité fait leur force. Enfin, ce n'est pas le plus important. Whis dit que vous devriez laisser le passé sombrer dans les profondeurs. Cependant, il y a quelque chose d'autre dans les profondeurs de la saline qui ronge l'arbre de vie. Et il l'a baptisé Tortipouf. C'est pour cette raison qu'il bidouille l'octopode. Hélas, le couvercle est coincé, et il a besoin d'un gros tracteur pour l'ouvrir et vous y faire entrer. Il ne peut pas quitter la centrale. Vous devez donc l'aider à trouver un tracteur. Une méca-main se balade dans le méca-stade, et elle est plutôt remontée. Elle a un tracteur sur son dos. Trouvez-la. En tout cas, il a été conçu pour donner un coup de main dans les travaux de force. Toxanol y fait mention d'un automate fabriqué pour déplacer des matières bionucleutes dans les zones de stockage. Ouais, ok. Tu inventes des mots. Oui, j'aurais pu prendre l'échelle. Le monde retrouve peu à peu ses couleurs. Allez, ya. Non, je peux pas. Du récup en bois. Le genre de récup qui continue de pousser en réalité. Désolé. Oh,
Ouais, je suis mauvais grappin. Je suis impressionné que vous ayez trouvé ça, malgré tout ce glou. Cet endroit a recélé de la puissance pendant très longtemps. D'une certaine façon, c'est encore le cas maintenant. Pour ça, il faudrait nettoyer tout ce glou. Content que vous ayez trouvé cette voie. Il y a beaucoup à apprendre du monde, aussi bien ici que plus loin. Non mais dis donc. Voilà. Et foncé. Alors c'est ici. Ne vous laissez pas distraire par le chaos qui nous saute aux yeux à la lumière du jour. Qui trouve garde. Garde, mais j'ai un monstre. Ah, c'est quand même... Gilet en cuir et chemise. Il y a des vêtements cool hein, si vous voulez créer un perso. Bien sûr, bien sûr. Moi je dis que c'est toi, mais bon. Alors. Waouh, tu es avec des brasses. Classe.
Oui, aussi, hein. Alors attends. Attends, on va se concentrer vite fait. Il y a les Stromo. Aha! Avalanche de plomb. Le plus dur est fait. Oh là 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 là, voilà. Parce que pute. Alors, moi, je suis sorti. Ascenseur. Sous terre, même l'air n'est plus le même. Cherche. Ok. Alors, on se rapproche. Je vais appeler mon fidèle destrier. Ça met du temps. Hein. Vous avez trouvé un tas de briques qui tient encore à peu près debout. Ouais, de l'électrodéchet, rien que pour. En arrière, toi. Là, c'est pour le... Voilà, on bouge. Sans vouloir trop vous aider, le mécastab est dans le coin. Ah. Ce n'est pas la grande forme, ce n'est pas une excursion touristique, c'est l'aventure, la vraie. Oui.
fort utile. C'est Géniali le loulissime. C'est fermé à double tour. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire avec une fin inattendue. Oh putain. Mais merde, je refais le mec. Non, je comprends pas. C'est la première fois que je bloque sur. Attends. Non, ça va pas. Ah mais je suis débile en fait. Vous voyez pas les petites lignes qui se relient.
Un abruti. Ça va pas aujourd'hui, ça va pas. Les jours vont se faire rares. Ne les gaspillez pas. Un boîte à lune. Je sais même pas à quoi ça sert. Oh, une cagoule. Le bonnet bonnard. Bon, allez, on va prendre. Vous devez desserrer les vis sans les frayer. Merde. Attends. Pourquoi je dois desserrer les vis? Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. C'est trop tendu pour vous. Et il s'est sauvé. J'ai rien compris. Là ça va mieux là. Je vous dis, c'est aujourd'hui, c'est pas mon jour. Voilà. Pédale. Le tractourneur est desserré. Espérons que ce soit suffisant. Arme à feu. Avec l'arme. Et puis tirer. Énorme. Pardon. Bon, par contre, c'est long. Je
Génial. Du récup en bois d'écorce, rien que pour vous. N'hésitez pas à donner une petite note hein, pour cette monture. Rappe un peu n'importe où. J'avoue, c'est efficace. Les mecs qui doivent voir passer avec ça, ils doivent dire mais... Ok, on se casse parce que c'est pas plus relou qu'autre chose. Allez, y'a yeah. Il pensait que le trap-tourneur ferait l'affaire, mais comprend que la force ne suffira pas. Il faut quelque chose pour que ça glisse. Allez, je sais que ça va faire plaisir à une personne dans le chat. Gal. On va mettre celui-là. Il veut dire glissant, comme du lubrifiant pour graisser les gonds du couvercle. Il ne peut pas aller à l'encontre du fait que votre fourrure est brillante. Il dit que le couvercle devrait s'ouvrir avec un peu de lubrifiant. Le problème, c'est qu'il n'en a plus. Il sait que son vieil ami Chouchou a toujours des graisseurs bien remplis. Il devrait pouvoir vous en prêter un. Il insiste pour que vous reveniez dès que vous aurez mis la main sur un graisseur. Le tortipouf dévore l'écorce en ce moment même. Il est assez gros pour faire des vagues sous la surface. Ce qui complique déjà assez les choses. Mais il a aussi une carapace très résistante. Vous devrez donc viser sa tête. What? C'est jusque là-bas. Ouais, j'aurais pu prendre la main, mais je la trouve pas ouf. Il n'est pas l'heure de dormir.
Ah bah je l'ai la main. C'est bon, il est pas mort. Il y a quelque chose là-bas. Être long. J'aurais pu, je sais pas, me filer une moto ou un truc classe quoi. Un truc. Cassez-vous. C'est un excellent moyen de transport. Dans le gros là. On va le tuer. Dans le doute. On sait pas ce que c'est. Bon. Condition quasi terminale. J'aurais pas dû y aller en fait. Autant l'autre, je l'ai déglingué, autant celui-là. Il a commencé à me cracher des trucs et ça m'a pris ma vie. Il a fait un saut, il m'a mis une claque. Yes. Pas le temps niaiser. Je vais partir directement. Accrochez-vous bien et ne lâchez pas. Voilà, là où je dois. Ah, vous voyez cet électrodéchet? C'est toujours pratique. Vous avez atteint le terminus. Chouchou est sûrement dans les parages. Oh, et chou. Ah, c'est chou. Bah, ça t'en compte pas. Ouais.
Voyons voir. Bon, par contre, avant d'aller voir Chouchou, je vais fouiller la guerre. Il faut faire pivoter les paliers du globus. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Voilà, j'ai juste fait globus, il n'y avait rien. Ah. Là, il y a un ring. Faites tourner les poignées pour alimenter le câble. C'est branché et prêt à fonctionner. On ne peut pas vraiment comprendre son histoire tant qu'elle n'est pas terminée. Chouchou savait que vous finiriez par venir à sa rencontre. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de suivre le chemin d'acier. Les voies ferrées peuvent bien rouiller, mais elles finissent toutes par converger vers lui. Prétend que les voies ferrées sont comme des règles. Si on les suit telles qu'elles ont été conçues, alors tout ce que la vie a de bon à offrir finira par croiser ton chemin. Dis que vous avez suivi les voies ferrées jusqu'à l'endroit où vous deviez vous trouver. Mais les rails sont également soumis aux aiguillages. La question c'est, est-ce que vous voulez vous contenter d'un seul chemin ou trouver un moyen de vous en détourner? Il semblerait que vous soyez déjà sur la bonne voie. Il espère simplement que vous ne déviez pas vers un chemin plus sombre. Quel que soit le chemin que vous empruntez, il tient à ce que vous sachiez que les voies ferrées ne vous guident jamais au mauvais endroit. Suivez-les et vous atterrirez toujours là où vous devez vous trouver. Veux savoir si vous regrettez d'avoir choisi une voie au lieu d'une autre dans votre vie. Si vous pouviez faire machine arrière, changeriez-vous d'aiguillage ou continueriez-vous sur les mêmes rails? Pense que tout le monde en a. Personne n'est parfait. On dirait que le monde est sorti de l'ornière et remonte la pente. Ne saurais-tu vous remercier d'avoir enclenché les freins et de tout faire pour aiguiller la loco du monde dans la bonne direction. Mais ne déraillons pas du sujet. Dis qu'il est surpris de voir quelqu'un s'aventurer aussi loin, mais parfois le mauvais train peut vous mener à la bonne gare. Comme vous pouvez le constater, il n'avait pas prévu de faire une halte ici. Mais maintenant qu'il y a été contraint, il est content de vous voir. Il s'appelle Chouchou. Il a déraillé depuis que le monde a commencé à décliner. Mais il s'est efforcé de rester positif malgré la situation. Pense que c'est une bonne chose, mais qu'aucun chemin en ce bas monde n'a pas déjà été emprunté. Il est convaincu que les rails sont comme des chemins que nos vies empruntent et qu'il nous faut composer avec les conséquences, même si on n'en est pas à l'origine. Cette fois, cependant, il a déraillé et aurait besoin d'un nouvel écrou à ailes pour se remettre sur les rails. Oh putain, j'ai vu chercher de la graisse. Les écrous à ailes sont faciles à repérer, car on en trouve sur toute loco de tête par ici. La difficulté, c'est de les détacher. Il est donc ravi que vous vous en occupiez à sa place.
Dis que vous êtes comme lui quand il était plus jeune. Quelqu'un qui fonce, mais qui va là où il faut. Les ombres fondent à vue d'œil. Je prends ça comme une attaque personnelle. Mais tu dois te sentir attaqué. C'est le but. Attends, mais que serait la lumière sans les ténèbres? Elle serait bien plus heureuse. Il 24. Ne regardez jamais cet animal dans les globes oculaires. Vous voyez cet électrodéchet? Ça vous serait utile. Bon, on y va. Alors, on va lui chercher un truc. Il me dit oh merci, c'était cool. Est-ce que tu fais au fait? Est-ce? Ah d'accord. Et après. Pardon. Bien. Si ton sauve, il va manger mal. On est obligé de faire tout ça pour pouvoir botter le cul. Pour peut-être je le sais. Quelqu'un doit mettre fin à ce fléau avant qu'il ne soit trop tard. Tunnel aux écrous. Il est interminable. Ça en pièces. Bien ajusté. Vas-y, attaque-moi. Thank you.
chaque fois j'appuie trop vite et il... Allez. Ah, du soin. Je fais genre. What? De votre vie. Là, pas cramé. Ça doit faire mal. Alors, mais dis donc. Vous êtes bien loin du soleil. Au moins, vous ne repartez pas les mains vides. J'aurais pu faire ça du coup. Quoi ? Faites-en des rondelles. Vous êtes à moitié en vie. Ouh. En plein temps. Le mec il se fait sauter mais c'est rien. Dégueulasse. Faites tout exploser.
Non, je voulais pas. Ah, voilà. Quel soulagement. À peine de ce sont les derniers rayons de soleil. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. J'ai cru que j'allais faire bouger les loups. On est vert, chu. Alors, je suis... Ah, c'était plus... Chouchou dit qu'il savait que vous viendriez. Si quelqu'un fait une halte dans ta gare, c'est pour une bonne raison. Mais il comprend que personne ne fait graisser ses rails gratuitement. Il serait ravi de se séparer de son graisseur, car il pense qu'il vous serait utile pour débloquer toutes les situations. Il le garde en sécurité, dans une boîte sur son diable, en cas d'urgence. Sur le diable, il la garde toujours à portée de main. Généralement, le temps est compté en cas d'urgence. Chouchou dit que vous devriez récupérer le graisseur. Il s'agit d'un outil polyvalent des temps passés, le dernier de la sorte. Alors ne le laissez pas moisir ici. Il est convaincu que vous en ferez un bon usage, car de nombreux cadenassés attendent un petit graissage pour s'ouvrir. Semble heureux de vous l'entendre dire. Vous êtes sur la bonne voie. Chouchou dit qu'il a hâte de partir d'ici.
a du pain sur la planche, donc pas de soucis. Ouais, j'ai la pipette. On est parti. N'hésitez surtout pas à détruire la boîte. Chouchou n'en a pas besoin pour l'instant. Chouchou dit qu'il se sent absolument prêt à aider son prochain, tout comme vous l'avez fait pour lui. Il est convaincu que si vous vous êtes rencontrés, c'est qu'il y a une bonne raison. Parfois, le mauvais train peut vous mener à la bonne destination. Ça, tu avais déjà dit. Il croit que vous êtes capable de changer les choses. Il a pu le constater de ses propres yeux. Dit qu'il ne parvient pas à apercevoir votre terminus. Mais si vous vous arrangez pour bien graisser les voies ferrées, il espère que vous apprécierez le voyage. Chouchou est ravi que vous ayez trouvé l'arche. Ce truc doit aller tellement plus vite qu'une loco. Et pas besoin de rails en plus. Pas besoin de rails ni de route. Rien que de l'air. Le monde est en voie de guérison. Il n'est plus nécessaire de partir. Mais quand on pense à tous les endroits qu'on pourrait découvrir avec l'arche, dit qu'il est heureux que l'arche soit entre vos mains. C'est que vous irez à des endroits formidables avec elle et vous y apporterez du bon. Se demande qui vous inviterait à bord de l'arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place. Pourquoi ? Tu n'as besoin de personne d'autre que toi et moi, bien sûr. Mais moi, je fais partie de toi, donc ça compte pas vraiment. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merde, j'ai pris Chouchou. Dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi. Gardez la dernière place pour Wish. Je te complète. Ah, fais chier. On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être. Ouais, c'est bien. Après avoir passé sa vie sur les rails, il lui tarde de fendre les cieux avec vous. Le temps de plier bagages et il embarque. Chouchou dit qu'il est prêt à faire ses bagages et s'en aller. Vous dit no problemo. Bon. Maintenant, on va retourner voir... Ah, je voulais garder pour oui. Bon, bah, tant pis. J'ai donné à Chouchou. La dernière place. J'ai pas fait gaffe, j'ai appuyé vite fait. Si vous voulez changer les choses, vous feriez mieux de vous dépêcher. Ouais, bah c'est bon. Whis dit qu'il serait inconscient d'aller affronter le Tortipouf avant que l'octopode ne soit complètement armé. Il sait que vous aurez besoin de quelque chose avec assez de puissance pour faire un accro à cette carapace, ou mieux encore, à sa tête. Les pyrobâtons feront l'affaire. Il dit que son vieil ami Boom fabrique toutes sortes d'engins qui font bang. On raconte je connais certains des pyrobâtons de Boom se sont tirés tout seuls et se promènent à présent en liberté. Vous devriez surveiller l'horizon. Si vous voyez des pyros et que vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être en attraper avant qu'ils n'explosent. Boom a nommé cet endroit le Pic à Pang. Ça sonne drôle, mais c'est une description plutôt correcte, vu que les pyros sont vieux comme le monde et n'explosent pas toujours quand il faut. Allez.
Allez, on se re-TP. Ah, on peut pas se TP. On est parti. Oh! Monte. Il fait sombre dehors. Que si je coule avec, je le récupère. J'ai pas fait gaffe. Ah là là. Ah, c'est pas possible. Ne vous dérobez pas, c'est votre heure de gloire. Vous devez vous concentrer. Ah, ça a marché le fait que je meure avec. J'avais raison. Que la dernière monture que j'avais là, qui m'avait donné, j'avais combattu le avec. La première fois j'étais mort, et la deuxième fois j'ai sauté. J'ai laissé mourir tout seul. Et la première fois que je suis mort en fait avec lui, bah, j'ai pu le rappeler. Et la deuxième fois où je l'ai laissé couler tout seul, et ben... J'ai pas envie. Et on bouge. Chouchou, il a dit foutu, pareil. Ça, c'est une raffumerie, un endroit où Toxanol produisait de la rincette. Ah non, un monstre. Monsters. Alors oui, les produits là, ça me fait rien parce que j'ai monté j'ai monté les trucs et je suis à 100% partout. Glace, feu, poison. Donc j'ai même pas besoin. C'est une usine à boum où Toxanol fabriquait toutes sortes d'objets explosifs qui ont fini par leur exploser en pleine figure. Ah, les mecs, ils sont. J'ai remarqué qu'ils. Les mecs, comme des gun-gun. Vas-y, t'es qui toi?
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec m'a mis une charge, j'ai rien compris. C'est ça. Bah, le titre, c'est Biomutant, alors voilà quoi. Je suis devenu mutant. Bah, déjà, c'était des animaux mutants, puisque ils se déplacent sur leurs pattes, ils ont un dialogue, ils savent se servir d'outils. Pas facile de repérer les dangers proches. C'est une usine à boom où Toxanol fabriquait toutes sortes d'objets explosifs qui ont fini par leur exploser en pleine figure. C'est toujours une bonne chose d'avoir du récup en bois à portée de main. Comment on fait pour... Quel corps à corps. Allez. Combat rapproché. Ne trébuchez pas sur quelque chose que vous ne voyez pas. Oui. C'est parti! Appelez-moi Iron Man! Je vais faire la discrétion. Waouh, c'est le même que moi. Ressemble à un pyrobaton égaré. Mieux vaut le récupérer avant qu'il n'explose. Ouais, mais comment je le... C'est ça que je dois récupérer? Ah ouais. C'est bon. Yes. OTP. Je passe mon temps à me TP. Mais bon, on va aller affronter le mange-monde. Et une fois battu, on arrêtera. Avant que ce soit le...
un truc que j'ai pas compris, mais bon. Pourquoi on sauve le monde? Pourquoi on allait dans le vaisseau là. Les pyrobâtons feront boum, mais leur cible dépend de vous. Au moins maintenant, vous avez une chance de blesser le tortipouf. Il l'espère, car il n'y a pas de plan B, ou pour être exact, de plan C. Le fossile a nommé ça le plan B. Le plan A consistait à attaquer les mange-monde à pied, ou à palme dans ce cas, mais il s'est avéré que nager jusque-là était une mauvaise idée. Whiz travaille sur un autre canon, mais au lieu de pyrobâton, il fait gicler des goupeaux. Ces petits missiles à écailles feront une bonne diversion pour l'estomac sur pattes qu'est le tortipouf. Oh. Apparemment, le meilleur moyen d'attraper des goupeaux, c'est encore d'aller voir Louis. Il a un sonar naturel et sait exactement où les goupeaux batifolent dans la saline. Vous allez donc devoir rendre visite à Louis, à Glooby le Bas. Lui saura vous dire où trouver des goupeaux. Il était autrefois propriétaire d'une animalerie avec des goupeaux. Mais comme il devenait plus difficile à trouver, il s'est concentré sur leur croissance plutôt que sur leur vente. C'est pas encore fini, on va aller chercher des goupeaux. Oh. Oh oui, il n'y avait pas un truc pour se TP. Oh, bah, bon, on va y aller. Pire. Ça ne vous donne pas une sensation incomparable de chevaucher cet animal? Ouais, pourquoi tu veux pas? On file un truc pour aller sur l'eau. Bref. Le récup en plastique là-bas pourrait vous être utile. Si une histoire vous concerne, mettez-vous en scène. Allez.
Non, je crois que je suis pas à 100% partout. Ah bah voilà Louis. Voyons voir. Voici Glooby le Bas, la demeure de Louis. Heureux de vous rencontrer enfin. Il a vu de nombreuses choses s'échouer sur son rivage, mais rien d'aussi intéressant que vous. Prétend être né en nageant, mais qu'il doit barboter loin d'ici en ces jours sombres. Vous avez dû nager de toutes vos forces pour en arriver à ce moment de votre passé futur. Mais quelle direction prendrez-vous à présent? Vous laisserez-vous porter ou irez-vous à contre-courant? C'est très dur de barboter contre la saline, mais vous n'arriverez pas à sauver le monde si vous vous laissez emporter. En tout cas, c'est bien triste que la saline soit devenue si sale. Pense que la vie, c'est comme surfer sur une vague. Il faut choisir la bonne. Mais on n'est jamais sûr de son choix jusqu'à ce qu'on atteigne la crête. Il vaut mieux toutefois surfer sur une vague que de risquer de laisser passer celle qui changera votre vie. Se demande qui en aurait envie. La bonne vague mène quiconque là où il veut aller. N'imagine pas à quel point ce doit être merveilleux de surfer sur du glou sans glou. Le monde va prendre vie. Chiamage. Ne vous remerciera jamais assez d'avoir lutté contre le glou. Se réjouit de voir que vous faites alliance avec les myriades. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Pense que vous avez tout à fait raison. Naviguer, c'est vivre. Travailler n'a rien d'amusant. Mais rien de tout cela n'est aussi important que de profiter de cette belle journée. Pas vrai? Il n'a jamais bu dans cette mare parce qu'on y a fait des choses répugnantes. Même son poisson a arrêté de boire ici depuis que la pollution a rendu la saline crasseuse et que l'air a bloqué ses branchies. Il se dit que l'arbre de vie ne s'y abreuve pas non plus. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y boit, car étant un arbre, il n'a pas le choix. Mais il se gorge de poison. Prétend que la saline est désormais toxique. Quiconque s'y abreuve est empoisonné. Même l'arbre de vie. Son ami Wiz a besoin de goupeau pour une raison inconnue. Et Louis est prêt à vous indiquer la bonne direction. Mais ici, vous ne trouverez que des spécimens morts. Il est quasi sûr que Wiz les veut vivants. Enfin, tout du moins, pas en décomposition. Si vous partez dans la bonne direction, vous devriez trouver une portion de saline plutôt pure, recélant des goupeaux. Vous pourrez ensuite les rapporter à Wiz pour satisfaire sa demande. Vous aider, ainsi que Wiz, le rend doublement heureux. Allez! C'est où qui me dit? Oh, ça me saoule d'aller à droite à gauche. C'est bon. Pour remplir les petits objectifs annexes. Après, aller combattre. Ah ouais, mais les héros nous inspirent et nous transcendent. Allez.
de l'électro-déchet. On en trouve rarement. Allez, on fait les petites quêtes. Il y a du caoutchouc là-bas. Il n'attend qu'à être récupéré. Et normalement, on va être bon. On va pouvoir aller affronter l'arbre monde. Pas l'arbre monde, n'importe quoi. Le mange. Le tortipot. Oh. Ouais, tortipot. Tortipot. C'est la grotte au goût de peau. Faut vous aider les mecs. Taf. Un truc pas porté. Alors, allez. Hello. Ça a l'air compliqué. Hein. Alors. Que quelques coups, ne les gâchez pas. La vie nocturne est sur le point de débuter. Ah! Super. Ah.
Il va vous falloir une clé, je crois. C'est jamais. Waouh! Un de l'an. Alors. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Ah, j'ai vu n'importe quoi. Ah bah oui. Ah, pas besoin. Alors si sombre dehors. D'accord, ouais. Je peux balancer le hashtag, mais fais gaffe. Je sais pas, il doit être déjà pris. Il doit être déjà pris par quelqu'un. Enfin, ah bah non, c'est pas écrit pareil, ouais. Ah, oh oui, c'est... Il faut une clé, et la bonne. Que quelques coups, ne les gâchez pas. Tendancieux, non, on l'a fait exprès de le prendre, mais enfin, j'espère que tu l'as fait exprès quand tu l'as dit. J'espère que c'était ça. Allez. Ouais, non, c'est... Oui, ton... Mais sinon...
C'est génial. Le pétrole recouvre toute cette région depuis bien longtemps. De toute façon, si on n'aurait pas pris ces prénoms-là, j'en avais deux autres. J'avais Jacques et Daniel. Jack Daniels. Il semblerait qu'il y ait assez de goupeaux pour fournir des munitions infinies à l'octopode. Je préfère ce... Il est surpris que le tortipouf ait été capable de retenir sa respiration pendant tout ce temps. Je préfère ce nom. Ouah, le tortipouf, il est gros. On dirait un kaiju. C'est encore une nouvelle preuve de l'évolution forcée par la pollution de Toxanol. Le fait qu'il soit sous la saline a permis au tortipouf de tranquillement ronger la racine sans être dérangé. C'est vrai. Ce qui veut dire que la racine nord-ouest a subi plus de dégâts que les autres. Attends, si tu l'as mis en hashtag, tu l'as mis sur un truc sur Twitter, des trucs. Ce qui veut dire que la racine nord-ouest a subi des dégâts que terminé et forcé. Toxanol a laissé des traces partout sur la Terre, mais aussi de la technologie. Et il est sûr que vous n'en avez encore trouvé qu'une fraction. Alors, les commandes de déplacement habituelles, ça peut être... Esquiver une attaque. Charger une attaque. Okay. C'est parti, on est sous l'eau. C'est parti, on va affronter le mangement. Le tortipouf. Il est là, le tortipouf. Ah, c'est pour faire une attaque. Ouah, tu m'as défoncé, j'ai rien compris. Il est rentré dans sa coquille. Du coup, les merdes qui me balancent. Oui, des coupeaux. Ah non, qu'il faut les faire. Il fallait faire un truc, mais j'ai pas vu.
là. Descendre d'où? Ah, de... Oh oh, changement de phase. Ah, j'ai l'impression. Oh là là, ils m'envoient des... Aïe, j'ai oublié d'esquiver. What? Peu d'énergie. Non, c'est bon. Meurs, Gaïdjou. C'est bon, t'as tué le Kaiju. Le mange-monde, on a vaincu le mange-monde. Le dernier. J'ai l'impression. J'ai entendu parler de... Il s'agissait du dernier d'entre eux. Vous avez scellé le destin de la tribu et de l'arbre. Il est temps de mettre un terme à tout cela. Vous avez votre propre destinée. Suivez-la et rendez-vous chez le fossile. Il ne vous a jamais parlé de ce qui allait suivre, mais il est certain de vous inclure dans le processus. Contentez-vous d'être vous-même et de respecter les autres quoi qu'il arrive. Ils sont fiers de vous. Vous êtes la lumière qui guide la tribu. Il est temps de retourner à l'arbre une dernière fois. Il a entendu dire que vous avez découvert et activé la dernière des arches. Comme c'est palpitant. Il est certain qu'on ne peut trouver de mots plus adaptés. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir explorer grâce à l'arche, maintenant que le monde va continuer de tourner. Vous avez fait tout votre possible pour le monde. Cela suscitera la fierté de tous, quoi qu'il arrive. Je vous demande si vous auriez, par le plus grand des hasards, des places restantes sur l'arche pour quelques compagnons de voyage. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance... Pourquoi? Tu n'as besoin de personne d'autre que toi et moi, bien sûr. Mais moi, je fais partie de toi, donc ça compte pas vraiment. Seul, on va plus vite. Ouais, il m'avait dit qu'il y avait 4 places. On va plus loin. Il n'y a que les ténèbres dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi, même si tu n'aimes pas ma compagnie. Je te complète. On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je sais pas. Le mieux, c'est encore d'être bien accompagné. Ouais, c'est bien. A du mal à s'exprimer tant il est heureux de participer à votre voyage. Il est prêt à explorer les cieux et conquérir de nouveaux territoires. Whiz sait que ce sera comme d'habitude, mais il aime discuter avec vous. Se réjouit de voir que Lupin Lupin n'a pas réussi à attraper l'enfant que vous étiez. Il dit qu'il perçoit un véritable espoir en vous. Comprends que vous ayez des choses à faire. Whiz sait que ce sera comme d'habitude. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Voilà. Bon.
Bah on y va, hein. Je pense que ça sent la fin. Ah, peut-être vers la fin du jeu maintenant. Pas plus mal. Ah, c'est pas plus mal. Apparemment, on a battu tous les mongemondes. À moins d'un twist. Le fossile affirme que les signes annonciateurs de la fin du monde sont partout. La nature se prépare à prendre sa revanche. Le jour du jugement dernier arrive, et vous faites partie des invités. Il sent que votre sort va se jouer. Si vous n'avez pas encore choisi les êtres de lumière vous ressemblant qui ont mérité leur place sur l'arche, c'est le moment ou jamais. Profitez de cette dernière chance de vous assurer que Lupa Lupin est bien hors d'état de nuire. L'arbre a réglé ses comptes, mais pas vous. Il dit que vous devez avoir un ultime tête-à-tête avec Lupa Lupin. Il serait heureux de rendre service. Vous souhaite une bonne journée. Bon, on va revoir. On retourne voir Lupin Lupin. Que j'avais vaincu et qui était dans un... En fait, j'avais des branches qu'il avait tout en fait. Ouais, j'ai vaincu. Ouais, on y va. Fin du monde. Mangeant. Ah oui, je crois qu'il le surveille. Le Sifu a soif de vengeance, lui aussi. Il n'a pas oublié les crimes de Lupa Lupin et veut également l'empêcher d'attaquer sa tribu. Ce n'est pas parce que le monde semble capable de survivre qu'il le doit. Il espère que vous partagez son point de vue, même si cela va à l'encontre de votre nature bienveillante. Il n'y a pas de place pour les prédateurs dans le monde que la tribu Myriade veut bâtir. Mais il reconnaît que c'est votre combat et votre décision. Il s'est libéré. Lupa Lupin craignait ses propres chaînes, pas les racines de l'arbre. Cela l'a fait changer. Vous
avez l'occasion de vous retirer et de laisser la tribu s'en charger. Ah. What? Je lui ai... Putain, je lui ai tiré dessus, je lui ai rien enlevé. Peut-être un truc électrique. Ah, j'enlève rien du tout. Voilà. On va lui mettre un module incendiaire. On va lui cramer sa face à lui. Ça marche. Inventaire. Meuble. Ça. C'est les radiations. Ralentir tout ça.
Non, mais... Oh, bordel. Je sais pas, j'ai bougé, il a fait un saut en avant, j'ai fait un arrière, et après il a fait des sauts sur lui-même. Ah, bah ça va, je vais enlever une barre et me remis. C'est bien, ça avance, ça avance, on lui enlève sa vie là. Il a attrapé le Sifu. Lorsqu'un ami meurt, quelque chose en nous meurt aussi. Il a tué Sifu! Vous pouvez sauver le Sifu en faisant de vous une cible. À vous de voir. Pour ça, je peux sauver le Sifu en faisant de vous. J'ai pas compris. Mes trucs. Okay. Et du feu, ça avait bien marché. Là. Calme-toi. Oh là là, regarde là, Max Payne. Hop, boum 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 boum. Hop, Max Payne. Oh. Ouh là là. Je le tue au flingue parce que... J'avais esquivé. Oh non! C'est... Ah.
Attends, donc il faut remettre. Oh. Un comme ça. Allez. Waouh, l'esquive. Oh, pareil. Ce qui m'a mis. Mais non, j'étais en train de me remettre de l'énergie. C'est abusé. Et allez, on est obligé de recommencer. Mais c'est sympa ce que... Oh, je prends des risques. Non. Mais non. Putain, pourquoi tu glisses en avant? Le choc se répand lorsque le monde s'écroule. Ce n'est pas une prophétie. Attends, dis-moi pas que je l'ai affronté une fois et là je dois recommencer de l'affronter. Celui que vous forgez ainsi. Voilà une démonstration de puissance bien vulgaire.
What? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai repris du poil de la bête. Et où? Il est là-bas. Ah, j'avais esquivé, Esquive, bordel de nouilles. Qu'est-ce qu'il me fait, il se TP et tout? Bon, j'en ai plus, je vais en remettre. Ça, il l'utilise déjà. Je... Ça qui m'envoie, je. Oh. Allez, du poison, du poison. Quoi, oh non, je viens de regarder sa barre de vie, y a rien qui a baissé. Je suis déception. Ouais, hein, j'ai beau regarder la mission, c'est bien écrit vaincre. Hein. Y'a pas de je me casse ou. C'est bon, si je lui enlève au moins une barre, on va voir ce que ça fait. Normalement, il va y avoir peut-être une phase où. Alors, il y avait Shifu qui était venu nous aider. Là, Shifu est mort ou je sais pas ce qu'il fait. Il est blessé. Ah voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Lui devient puissant. Saute. Oula. Non. On met de la vie.
Non. Oh là là, je suis tendu. Putain, la grosse phase relou ça. Ah, j'espère qu'après ça il va clamser. Bouge. Ouh. Ah non. Oh non. Le truc c'est que quand t'es par terre et qu'il t'envoie le premier et tu tombes par terre, bah tu peux plus bouger. Donc il t'envoie tout et bah t'es mort. Oh là là. Dès le début fait ça, non mais t'as mis pas un peu là. Oh mais pute. Pas possible. Casse-toi. Oh là là. Défoncé. Hop.
Bouge. Non, pas devant. Saute. Ouh là là, ça a été dangereux comme jamais. Bouge. Je suis un taré. Tain, j'ai préféré le mange-monde, c'était moins difficile. Il est temps de vous souvenir de qui est le véritable ennemi et d'arrêter d'entrer dans son jeu. Non, bouge, putain, j'ai envie de taper sur quelque chose. Je commence à rager. Arrête de faire ces conneries là, bordel de nous. Bouge. Attends.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que tout s'achève. Le prédateur souffre tout comme le monde. Mais au moins, c'est signe qu'ils sont encore en vie. J'en ai chié. Hein. Oh pou, pou. Cette situation est une question de vie ou de mort. Et il n'y a que toi pour en décider. Tu continues à faire des erreurs et prendre des mauvaises décisions. Ah, et ça s'arrête jamais. C'est facile de prendre la bonne décision quand il n'y a qu'une option. La seule erreur ici, c'est toi. Mon erreur, c'est de t'avoir laissé parler. Je suis d'avis que le monde se porterait mieux sans ta voix. C'est pas en se convaincant soi-même qu'on remporte un débat. Au bout du compte, on ne se rappellera pas les mots de nos ennemis, mais les silences de nos amis. Les faibles ne savent pas pardonner. Car le pardon est une force. Tout n'est pas une question de vie ou de mort. C'est le moment ou jamais d'accepter une main tendue. Un truc. Oh, les pilotes. Il est mort si si. Vous demandez-vous ce qu'aurait été votre vie si vous aviez fait les choses différemment? Si vous aviez emprunté la voie de gauche plutôt que celle de droite? Si vous aviez dit oui au lieu de non? Vous avez parcouru la fine ligne qui sépare la survie du désastre et n'avez pas encore perdu votre équilibre. Grâce à vous, l'arbre de vie et le monde ont une nouvelle chance. Vous avez défendu la lumière dans un monde envahi de ténèbres et joué un rôle clé dans l'avènement du renouveau. Vous avez forgé une alliance avec la tribu Myriade, cherché à comprendre le bien commun et respecté un code d'honneur. Cependant, la lumière et les ténèbres représentent simplement la dualité de la vie. L'un ne peut exister sans l'autre. Ce n'est pas la fin. Le simple fait d'être au sein de la nature tandis qu'elle guérit nous redonnera vie. La nature nous enseignera la survie. Laissez-vous donc guider par votre conscience et le reste coulera de source. Thank you.
Il sait des choses que vous devez connaître. Dit que c'était intéressant de dire. Comme prévu, votre destinée était de briser les chaînes de ce monde. Mais vous n'êtes pas solitaire. Vous avez peuplé l'Arche de camarades qui partagent votre vision et ont mérité votre confiance. Ils vous accompagneront dans votre voyage. Existe-t-il un monde plus adapté que celui-ci pour ceux qui sont trop bienveillants pour atteindre l'harmonie? Quoi qu'il advienne, votre histoire sera immortalisée, de sorte que les générations futures sauront que vous avez suivi votre nature bienveillante et sauvé le monde. Eh bien, au bout du compte, c'est un dénouement plutôt insolite. Quelle meilleure conclusion qu'une fin juste et méritée? Tout achever selon vos propres termes et repartir sur des bases saines. Et voilà. C'est fini, mes amis. Je sais pas comment ça va se passer. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Pour pouvoir finir le jeu à 100% et après faire la fin de... Bon, je verrai bien. Bon, comme vous avez pu le voir pendant tout le long de cette aventure, j'ai fait full lumineux. Si vous voulez faire moite-moite, ou alors full ténèbres, et que vous aimez bien le jeu, bah, allez-y, je vous encourage à le faire. Moi, deux parce qu'il fallait choisir un truc. Je crois que j'ai fait zéro ténèbres dans mes stats. Je crois que j'ai fait que du lumineux. Et ouais, bah voilà. On va accélérer. Bon, on peut accélérer, c'est cool. On va voir s'il y a quelque chose après le générique. Et puis et après on va se laisser là. J'ai bien aimé le truc sur nouvelle partie plus débloquée. Enfin, vous avez terminé Biomutant. Sélectionnez nouvelle partie plus le menu principal pour rejouer votre. Enfin, pour rejouer, vous conservez. Et au pied de l'arbre de. S'alliant avec l'une des six tribus avant de vous aventurer dans le monde, d'atteler aux autres quêtes et événements et de faire d'autres choix de vous dire votre aura par rapport à votre première partie. Vous atteindrez une nouvelle fin. Voilà. Donc voilà, c'est terminé notre aventure
biomutants. Je ne peux pas vous dire la prochaine fois ce que je vais lancer parce que je n'attendais pas à finir. Et je suis un peu dépourvu pour l'instant. Il faudra que je trouve quelque chose. Donc, si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.